brûlé en tant qu'équipe. On a pu attendre de ne pas donner de place à l'équipe croate. Il a essayé par un système de nous attirer de nos backs très haut, ce qu'on n'a pas fait. Comme ça, évidemment, on n'a pas laissé d'espace dans notre dos. Il fallait, dans une équipe qui aime jouer, c'est pire, je dois la freiner. Parce qu'elle a envie de faire du jeu. Mais là, à un moment donné, le beau jeu s'est terminé, il faut être efficace. Et à un moment donné, on a eu des balles de contre. On savait que les défenseurs centraux qui étaient un peu lents. On les a pris 3-4 fois. Donc ça a suffi pour mener 0-2. Pour faire une rencontre très sérieuse au niveau de notre jeu, à tous les niveaux. Avec une grande disponibilité de Kevin De Bruyne, qui était de temps en temps bas droit, Hazard à bas gauche. Mais c'était pour le bien du collectif. Et ça, c'est parfait. Smatram da smo odigrali vrlo ozbiljnu utakmicu i da smo i tijekom ove utakmice još napredovali dodatno kao momčad. Očekivali smo da će se Hrvati dosta boriti, da će nas vući da pucamo visoko, jer to smo nastojali spriječiti. Znali smo da je to ekipa koju treba zaustavljati što više. Oni su pokazali jednu lijepu igru i dosta su na tome radili, međutim na kraju je trebalo zaustaviti tu lijepu igru i biti efikasni, biti učinkovit. Stoga smo mi povukli neke kontre. Također smo 3-4 puta imali prilike udarati prema golu i jer toga smo i došli do ta dva povratka koja smo ostvarili. Prije svega smo radili na lijevoj strani, imali smo neki igrače koji su bili dosta dosta raspoloživi na koje smo računali i na kraju smo to iskoristili. Les questions, vragen, questions, Christophe? Hoe groot is jouw aandeel in deze kwalificatie? Le partage de Max dans cette victoire, dans cette qualification, ça c'est la question. L'aandeel is van iedereen. Je crois que je dois remercier une personne, c'est Nick Avocat. Ça a mis ce moment-là. Première chose, on a mis la première philosophie pour être clair. Et Philippe Collin qui a vu ce qu'il faut pour prendre une décision qui n'était pas unanime. Donc, ces deux personnes qui ont fait beaucoup. Moi, je me suis contenté de rassembler les gens, de travailler, de regarder devant moi et que les personnes me suivent dans ce projet qui était la qualification de la Coupe du Monde. Je crois que tout le monde a bien agréé, aussi bien les 45 personnes qui sont avec moi, aussi bien la presse qui a récupéré le sourire et surtout on a retrouvé un public et une âme. À partir de là, c'est. Moi, j'ai pas besoin de fleurs, d'accord. Après, les fleurs, c'est les pauvres. Donc, je suis dans le métier depuis trop longtemps. Je reste, j'ai répondu à mes enfants, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait. Et je vais continuer à travailler pour faire que ce Coupe du Monde la plus efficace possible. Voilà, ça, c'est mon seul objectif. Mais si tu veux féliciter quelqu'un, tu félicites les joueurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Dakle, evo, kome bih htio zahvaliti za ove rezultate. On bih htio zahvaliti dvijema osobama, to su Dika Buka i Filip Kola, koji dijele sličnu filozofiju kao što je njegova. On je vrlo sretan što dobro surađuje sa svim svojim suradnicima, njih je ukupno 45. Također se nada da će biti još i bolji u budućnosti, evo, da će još bolje surađivati, on je okrenut prema budućnosti. Cilj je naravno ostvaren, to su bile, to je bio prolazak na svjetsko prvenstvo. Osim toga imali su veliku podršku Tiska, imali su također veliku podršku publike, odnosno navijača, s kojima su bili jedna duša, kako kaže, i evo predavče. Mogu ja jedno pitanje? Kako vidi šanse u plasmanu Hrvatske na svjetsko prvenstvo? Šta misli o Hrvatske? Sinon Bouk, quelles sont les chances pour la Croatie de qualifier pour la mondiale? Bah, d'ici, ça dépend de ce qu'ils vont tomber. Donc, c'est difficile à dire. C'est une équipe, c'est une jouée qui est très difficile à jouer. Elle a eu un grand passé. Elle est toujours aussi forte pour moi. Donc, ça dépend comment on peut les prendre. Mais je crois que simplement, ça dépend de l'adversaire. Mais 7 chances sur 10 qui passent. Moi, je souhaite en fait la Croatie arrive à la Coupe du Monde. C'est ce que j'ai dit à son entraîneur hier d'avant. Dakle, rekao da to je teško reći kako će Hrvatska dalje igrati, ovisi na koga će naletiti, dosta s njim će se susresti. Smatra da je to jedna ekipa koja je vrlo teško pobijediti i smatra da su oni vrlo snažni i dalje, međutim ponavlja da to ovisi o protivniku. On je već to rekao Davoru Šukeru, rekao je izborniku da se nada da će Hrvatska doći na svjetsko prvenstvo u Brazilu.
Mark, innoveren stelt deze groep innoveren stelt deze groep vast voor het WK. Nee, maar je bent loyaal aan, de, aan deze spelersgroep, toch? Aan deze selectie. Die... Pitali su što se tiče ekipe, jer momčad već formirana za odlazak na svjetsko prvenstvo. Kaže da postoje razne sada ideje oko toga, međutim sve ćemo još vidjeti, igrači još uvijek ne napreduju, razvijaju se. Dakle, on računa na Cristiana, na Vansona i na neke druge igrače posebice, međutim kaže da ništa ne može vidjeti, računa na svakog igrača pojedino, ali sve će još tek odlučiti. Mark, heb je Romelu willen scherpzetten met je verklaring in deze week? Scherpen? T'as voulu mettre Lukaku prêt pour ce match avec tes déclarations cette semaine? Qu'il devait regarder le ballon, qu'il devait... Tu sais, il a 19 ans. Donc à partir de là, on peut jouer sans travaux en 10 ans. Quand je dis quelque chose, c'est pas pour une critique, c'est pour le faire avancer. C'est quoi que j'ai juste dit qu'un attaquant en pointe, j'aime bien qu'il garde le ballon pour laisser notre jeu qui vient. Après, profiter de sa vitesse, je sais qu'il sait le faire. Puis c'est parti, je sais aussi. Mon but, c'est de l'améliorer. Ça, c'est mon rôle. Aussi bien avec Christian, quand j'ai commencé avec lui il y a un an et demi, il savait plus de son corps. C'est une. C'est pas à moi, normalement, à lui dire ça quand on est en équipe nationale. De faire ça avant. Voilà. Mais il le fait, ils écoutent, ils veulent avancer, et c'est pas les concurrents, quand j'ai vu comment ils se sont embrassés. Voilà, c'est deux copains. Il y en a un ou l'autre qui joue, je pense que c'est un peu la marque de fabrique de notre équipe. C'est que on essaie toujours de faire des conflits. Moi je rassemble les gens et je les respecte. Et à partir de là, les joueurs sont avec. Une certaine fierté Non, tout simplement.
J'ai connu toutes les étapes. J'ai connu en 94 la CAN, j'ai connu aussi en 2002. C'est vraiment la seule vérité moi, que j'ai, c'est ma femme, ma famille. Je travaille, j'aime bien bosser avec les gens. J'aime bien que les gens autour de moi soient heureux. Donc, j'ai fait tout pour vous. Les personnes négatives, là, je ne les écoute pas. Je les garde devant moi. Je fonce, j'avance. Et après, je vais. Voilà, c'est tout simple. Mais quand on va pour quelque chose, on le fait au maximum. Mais c'est ce que j'ai fait. Et les joueurs ont accompagné. Donc, c'est eux, le public, qui ont fait énormément de choses. Pour le reste, après, on choisit une stratégie. On ne sait jamais si c'est la bonne ou pas. On a analysé un service de scouting à côté de moi. Moi, ce qui me rend heureux, c'est que les gens qui ont beaucoup donné pendant 12 ans, ils n'ont rien reçu. Et maintenant, enfin, on a cassé cette série. En 12 années sans tournoi pour la Belgique, qui était très difficile à avaler. D'ailleurs, l'attente était énorme. Donc, moi, tu sais, ce qui me rend heureux, c'est que j'ai un coup de fil du roi qui nous félicite, qui nous soutient. Je crois qu'à partir de là, les deux joueurs, je vous fais, voilà, vous avez un message de moi. Je suis très fier de vous. C'est avant le match. Avant le match. Après le match. Voilà, donc ça, voilà. On se rassemble derrière un drapeau, on se rassemble derrière des valeurs, et ce que l'équipe a montré, c'est la valeur que le public voudrait voir. Il y a bilo pitanje tome da su mnogi sumnjali od toga, među njima je bio i sam Novi, jer se javio, rekao da je sam sumnjao. I pitaju sad izbornika je li ponosan na ostvarenu pobjedu. Kaže da nije, da nije sad razlog da se bude preponosan, da je i on prošao razne etape, dakle on je sam ponekad sumnjao, bio je možda malo bezhrabren i tako dalje. Znate da je Belgija već dugo, dakle od 2002. nije imala veće ostvarenja u nogometu. On kaže da je za njega najvažnija njegova obitelj, njegova žena, dakle to su njegove jake točke. On je također rekao da postoje razne strategije, međutim, evo, sada su uspjeli izdvojiti ovu koja daje dobre rezultate. Također je naglasio veliku ulogu navijača koji su im pomogli, veliku ulogu igrača koji su dobro surađivali s njima, koji daju svoj maksimum i evo to je najvažnije. Ove sve negativne komentare kažu da se na njih ne osjeća, njih ne sluša. U 12 godina posljednjih je bilo puno ljudi koji su dosta patili u belgijskom nogometu, bili su razočarani, bilo je dosta teško. Međutim, sada su zadovoljni, Robin kaže da imaju podršku igrača, ima podršku ekipe. Također su kralji uputili jednu lijepu poruku, kralj je također ponosan. I evo, kaže da su ujedinjeni pod jednom zastavom, pod istim vrijednostima. Okay. We have to go to the TV.